Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 18 de Watch Dogs 2. Nous sommes infiltrés chez Noodle, après avoir conduit un bus. Donc Marcus, chauffeur de bus, n'existe plus. Maintenant c'est Marcus, pirate de DedSec et marcheur sur le toit de chez Noodle. Donc là j'ai même pas pris la peine de déplacer le chariot élévateur. J'ai juste... j'ai juste emprunté justement l'élévateur pour aller sur le toit. Et voilà, donc sur le toit il y a effectivement un petit peu de monde. Il y a un garde. Et j'ai l'impression que c'est tout, hein. Il n'y a personne d'autre. En fait il n'y a qu'un seul mec pour surveiller le toit. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais rappeler mon drone. Quoique j'ai même pas besoin de m'y rendre physiquement en fait. Ouais. Peut-être que le garde il va pas me gêner, on va voir. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut envoyer le jumper. Donc on y va. Attendez. On va être un peu plus sérieux. On va se mettre à un endroit où on n'est pas trop visible. Parce que bon, le tube en verre, c'est un petit peu voyant quand il y a du passage. Alors, après avoir galéré à trouver un point d'entrée, on va pouvoir pénétrer dans les locaux de Noodle. Alors c'est pas une grille qui s'ouvre, d'accord. Donc piratage physique ici, ok. En fait je pense que je dois... Ouais, je pense que je dois quand même entrer, hein, dans le bâtiment par la porte. Il n'y a peut-être pas de grille d'aération à l'extérieur, donc je vais peut-être devoir assommer le garde qui se trouve là-bas. Ou simplement l'éviter, peut-être. À vrai dire, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment... Ah, par contre, il y a quelque chose à prendre ici, donc ce serait pas mal de le prendre. En plus, c'est de l'argent, ça m'intéresse. Voilà, ça, c'est offert. 19 388 $. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est les points de recherche, parce que j'en ai pas mal. Ah oui, 15 points de recherche, donc je peux avoir plein de compétences. Alors, qu'est-ce qui pourrait me servir dans cette mission précise, là? Bricolage, donc oui, j'ai des choses pour... des zappers pour distraire les gardes. Bon, pour l'instant, ça va peut-être pas me servir. Les engins explosifs, peut-être pas. Expert du bricolage... ouais, non. 5... Permet de transporter et de placer 5 zappers à la fois, ok. Déflagration amplifiée, optimisation des explosifs. Donc on a un truc plutôt basé sur l'infiltration et l'autre basé sur la destruction, très bien. Mais, alors peut-être que dans le contrôle à distance, j'aurais plus de choses. Alors il me manque des données clés, hein, pour certaines compétences. Donc là, équiper le jumper d'un haut-parleur interne. Donc pour distraire les gardes, ça pourrait être utile en fait. Ça pourrait être pas mal. Et après pour booster la vitesse... Ah ouais, pour booster la vitesse et la hauteur du saut du jumper. Ah, il me faut des plans. Hein. Donc provocation, ça pourrait être pas mal. Alors après dans le relationnel, brouillage... Ah, brouillage de masse des communications, ça peut être pas mal. Créer une diversion affectant toutes les personnes autour de vous simultanément. Elle annule également les appels à la police et les demandes de renfort. Ça, à mon avis, ça va nous servir. Donc, sans hésitation, je prends. Ensuite, bon, économie de botnet, ça on peut pas. Attaque de gang, ça, ça peut être rigolo, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Suspect localisé, c'est du même acabit, donc... c'est pas intéressant immédiatement. Perturbation, tiens, ça par contre, ça pourrait m'intéresser. Exploit de contrôle du trafic, c'est pour la fuite. Arrêt des systèmes de sécurité. Oh, ça, c'est vachement utile. Données clés, New Dawn Facility. Ok. En plus, on a même, dans les vidéos de démo, l'exemple avec la villa qu'on a infiltrée lors d'un épisode précédent. Ah ouais. 6 points de recherche, la vache. Ouais, mais ça permet d'arrêter les systèmes de sécurité quand même. Donc c'est vachement utile. Et du coup, maintenant qu'il m'en reste 3 points de recherche, est-ce que je peux augmenter ma... non, je peux pas augmenter ma quantité de botnet disponible. Dommage, dommage, dommage. Bon, j'ai l'impression que toutes les compétences maintenant sont trop chères pour moi. Donc c'est quand même bon d'avoir ça. Parce qu'il y a des caméras de surveillance à l'intérieur. Alors du coup, moi, ce que je voudrais faire, c'est assommer ce garde. Alors je devrais peut-être juste... Ouais, parce que la porte est où? La porte est derrière lui, donc j'ai même pas besoin de l'assommer, en fait. Ça, c'est bon à savoir. Donc on va se planquer. On va envoyer le jumper. Et c'est parti. Attention. Vais-je réussir à me montrer efficace en termes d'infiltration? Ouais, pour l'instant, discrétion totale. Alors. D'accord, donc on a une caméra ici. Alors du coup, je peux effectivement désactiver cette caméra-là. Ok. Ok, ok. Donc, ce qu'on veut est là-dedans. Mais, la porte est verrouillée. Il nous faut donc une clé d'accès. Clé d'accès... Voilà, qui va se trouver par là, certainement. Donc on a un itinéraire qui a l'air assez évident. Bien indiqué par les grilles d'aération. En fait, je peux directement entrer ici. Hein, et je peux, d'une part, désactiver ce robot. Et c'est tout, en fait. Je désactive le robot, je fais un piratage physique. Et tout ça en traversant juste une grille d'aération. Et puis la caméra est pas gênante. Vu qu'elle surveille la porte et uniquement la porte. Ben, ça m'a l'air plutôt simple en fait. Il y a juste un garde ici, mais ça n'a pas l'air hyper important. Donc peut-être que cette grille là-bas va me servir après pour pirater les serveurs. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est voilà, s'infiltrer chez Noodle, installer une backdoor, donc une porte de derrière, simplement pour pouvoir pomper les données de Noodle, pour pouvoir justement connaître un petit peu mieux les futures cibles de DedSec. Non, ce que je veux, c'est le jumper. Donc maintenant que l'itinéraire est tout choisi... Hop, oh, j'ai failli me faire repérer. Surtout prends ton temps, hein, mec. Au calme. Stresse pas, mon ratio. Je suis presque à la cage d'ascenseur. La cage d'ascenseur? Purée mince. Il n'avait pas prévenu qu'il allait venir, lui. Est-ce que c'est pour redémarrer le robot ? Est-ce que je prends le risque ou pas? Non. ça c'est un classique. Hein. Les gardes qui font des demi-tours quand on est juste derrière eux. Oh mince, du coup le robot s'est redémarré, j'ai pas pu profiter de... du temps pendant lequel il était hors service. Oh mais purée! Je poursuis la patrouille. Oui vas-y, poursuis ta patrouille. Je t'en prie. Oui, voilà. Bon, il va faire demi-tour, n'est-ce pas? Donc quand même, au cas où, je préfère juste l'éteindre. Alors j'aimerais bien pirater cette chose-là, s'il vous plaît. Voilà. Maintenir la touche Y enfoncée. Piratage physique. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors maintenant, ce que je voudrais... Bah, c'est juste passer la porte, hein. J'ai l'impression que c'est aussi simple que ça. Voilà, on va passer derrière ce décor. On va refermer la porte. Voilà. C'est bon, pas de garde à l'horizon, pas de garde en vue, c'est nickel. Il y a du monde là-dedans? J'ai pas l'impression. Vous entrez dans une zone à accès restreint, sans blague. Alors maintenant, ah et maintenant c'est pas fini hein. On m'indique juste le chemin, moi je dois poursuivre bien gentiment. Ah d'accord. Voici donc le fameux ascenseur. Et ben je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est bon, je suis à l'ascenseur. Horatio? Il a arrêté d'émettre. Attends, j'essaie de le localiser. C'est bizarre. J'espère qu'il s'est pas fait choper. Oui, donc en plus, dans l'épisode précédent, on a eu l'explication de l'absence d'Horatio pour la plupart des missions de DedSec. C'est parce que lui, contrairement aux autres, a un boulot, donc c'est pas du tout un tir au flanc, bien au contraire. Alors là, du coup, j'utilise l'ascenseur avec le jumper, mais est-ce que le jumper peut finir la mission? Si ça se trouve, il y a des choses à... Bah oui, non, à mon avis, il n'y a pas juste un petit programme à injecter dans les serveurs de Noodle, à mon avis... On va avoir besoin de se rendre physiquement là-bas. Bon, au moins, je fais un petit repérage. Il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bon, je suis là. Je suis là. Mon objectif est juste là. Tiens, c'est bizarre. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas, faut que je m'y rende, ouais, physiquement. Faut que Marcus entre dans les locaux. Bon, je vais laisser le jumper ici. Alors du coup, effectivement, il faut que je me rende à l'intérieur. Donc il sera nécessaire d'endormir ce garde. Donc on prend bien l'arme non létale. Voilà. Qu'on range tout de suite. On ramasse l'argent. Parfait. Donc là, en fait, la voie est libre. Hein. Grâce à mon travail de préparation avec le jumper. Donc oui, bon, forcément, je dois réemprunter l'ascenseur. Alors pour l'instant, tout se passe à merveille. Cet épisode est un chef-d'œuvre pour l'instant pour moi. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas fait de mission parfaite. J'ai eu un presque parfait lorsque je devais m'infiltrer dans la villa. Justement avec le système de sécurité de Home. Home sweet home. On va reprendre le jumper, parfait. Et effectivement, il fallait se rendre ici avec Marcus. Donc c'est parfait. Alors attendez, il n'y a vraiment personne ici? Clavier à code. Ah! Actionne l'objet lié, mais je peux pas le pirater celui-là. Sitara, je suis Keblo. Il me faut le code d'Horatio pour entrer dans la salle des serveurs. Tu l'as retrouvé? J'ai ses coordonnées, mais il répond toujours pas. Je te les envoie. Horatio, bon sang. Il s'est peut-être fait choper, hein. On a tout ce qu'il faut comme preuve pour te virer. Je veux juste l'entendre dire. T'imagines pas à quel point j'ai envie de t'admettre avoir joué au con. Bon, écoute, j'ai pas envie de jouer au sale type. Entre nous, voilà la situation. Tu vas aller en tôle pour cyberterrorisme. C'est inévitable. Mais si tu décides de coopérer, t'auras le droit à une réduction de peine. Alors tu vois, t'as tout intérêt... Ah. Allez, décroche. Non mais c'est pas vrai. Mais... Je le prends. Non, 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 on touche pas. Laisse ça tranquille. Ok. Il va s'arrêter tout seul. Ok. Peut-être. Tu sais absolument rien sur moi, mon gars. Quoi? Ça y est? T'es prêt à avouer? Avouer? Quoi? On parlera quand tu seras prêt à avouer. Hein? Mais... Comment? Qui est-ce qui écoute cette merde en plus? Allez, le jouet. Putain, mais c'est n'importe quoi là. Les cas de l'informatique ont intérêt à se bouger. Vous entendez ça? Ouais, visiblement vous avez connecté tout le bâtiment au même réseau jusqu'à ce saleté de jouet. Vous pouvez m'arrêter ce cirque? Ouais. Ouais, c'est ça, je vais vous dire. Arrêtez de vous excuser et faites votre boulot correctement la prochaine fois. Cool. Tu crois? Je sais. Ce mec est un génie. Hein? Sérieux? Oh, Yasmine, on vous attend. Merci Horatio, t'es le meilleur. C'est de grave d'accusation à son encontre. Il fallait que je prépare une salle sécurisée. Ah, bien, laissons parler les preuves. Monsieur Carline, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Là, par contre, il est mal. Bon, Horatio nous a donné le code. Ça, c'est cool. Quatre, 3, 7, 7, 8. Voilà. J'espère que c'est ça. T'es le meilleur, Horatio. Ça va le faire. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un garde, mais en fait, c'est quelqu'un qui est là-haut. Il n'y a personne dans ce secteur-là, j'ai l'impression. Ah oui, il faut que j'ouvre toutes ces portes. Accéder au réseau interne, ok. Bon. Je sens que les choses vont se compliquer très très vite. C'est vrai qu'il déconne pas avec la sécurité, dis donc. Ouais, en effet, Marcus. Oh la vache, tout ce qu'il faut faire. Bon, j'imagine qu'il faut juste ouvrir une porte. Hein. Ah, mais est-ce qu'on peut ouvrir toutes les portes? Potentiellement. Est-ce qu'il n'y aurait pas, genre, juste une porte qui est vraiment vulnérable et qu'on peut vraiment ouvrir? Hein? Bonne question, ça. Bon, ça, ok, ça c'est bon. Ah, il faut juste... Ah oui, il faut que je localise le serveur central. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Merde, c'est pas le bon. Ah la vache, d'accord, il faut que je fasse tous les serveurs pour repérer le serveur central. Non. Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'il y a des portes pour passer entre les différents couloirs de serveurs. Apparemment, il n'y a pas des portes partout. Ouais, ça va par deux à chaque fois, j'imagine. Mais je peux pas pirater à travers les vitres. Non, j'imagine qu'il faut vraiment que j'entre. De toute façon, je pense qu'il y aura une manipulation manuelle en fait à faire. Bon, ça a pas l'air hyper non plus difficile de pirater ces choses-là. Ouais, ça va, le puzzle est pas non plus hyper tordu quoi. Ouvrir, merci. Non. Je pense que je ferais mieux d'aller tout au fond dès le départ. Parce qu'à tous les coups, ce sera tout au fond. Ah! Ça y est! Parfait! Parfait. Placer une backdoor sur le serveur. Yep, ça c'est cool. Pour l'instant tout se passe bien, mais la sécurité risque de rappliquer je pense. Faut remarquer, le but c'est de pas se faire repérer. C'est bon, les données de Noodle sont maintenant à DedSec. Moi je me tire, mais Horatio est toujours dans la merde. Y a pas moyen de l'aider? Si, on a accès à tous les ordinateurs de Noodle, y compris ceux d'Horatio et de ce Brody là. Attends, ça me donne une idée. Ah bah vas-y, fais-nous rêver. C'est bon, c'est fait. Allons voir comment ça se passe du côté d'Horatio. Oui, parce qu'on va pas le laisser tomber ce pauvre Horatio. Lui qui nous a si bien aidés. Vous refusez de coopérer et j'en suis sincèrement désolée. Je ne peux que vous conseiller de faire appel au service d'un avocat. Oui ? Vous avez identifié les frappes? Je vois. Merci. Monsieur Carline... je suis affreusement désolée. Il semblerait que nous ayons commis une énorme erreur. Je... Eh ben voilà. Toutes mes excuses. Non. Vous pouvez partir. Je suis content que ce soit réglé. Oh, non, c'est pas possible, il faut... Monsieur Goodall, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, je... Écoutez, je... Asseyez-vous. Pense... Oh putain, c'était tendu. Ça va, Horatio? Yeah, nickel. T'es où, toi? Retrouve-moi devant, au bus Noodle. On va repartir en bus. Ça, c'est cool. Non seulement il a été innocenté, mais en plus... On l'a débarrassé de son collègue. Parfait. Comme ça, ils vont croire, ses supérieurs, que c'est le collègue qui a essayé de le faire accuser pour s'innocenter lui-même. Excellent. Eh, je suis dans une grande salle climatisée. Une idée pour sortir d'ici? Affirmatif. Il y a un conduit d'évacuation à l'arrière de la salle. Il devrait te ramener à l'extérieur. Super, merci. Ah, c'est pas par là que je suis venu? Bizarre. Balabala, conduit d'aération, conduit d'aération, conduit d'aération, conduit d'aération. Ah! Ah bah. Enfin, d'évacuation là, oui. Ok. Cool! C'est rigolo! T'as remplacé les frappes d'Horatio par celles de Goodall? Personne fait chier notre Horatio sans avoir de problème. Pas mal, Sitara, pas mal. Je prends ça pour un compliment. C'est même excellent. Bien joué. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Connexion passerelle réseau perturbée. Qu'est-ce que... Bon, j'imagine que je dois juste sortir. Pourquoi j'ai ça en fait? Bon, peu importe. Peu importe. Retour au bus. Voilà une mission qui s'est extrêmement bien passée pour le coup. Bon, elle n'était pas très compliquée, hein. C'est vrai qu'au niveau de la sécurité, il n'y avait pas non plus énormément de trucs. La seule chose, c'est qu'il fallait trouver le bon chemin. Il fallait trouver le chariot élévateur aussi. Donc on va pouvoir boucler cette mission et cet épisode. C'est parfait. Hey, comment ça va le transfert? Mortel, Marcus, mortel! Blume a bien exploité les données de Noodle. Ils leur ont même filé un accès limité à leur contenu. J'aimerais chanter victoire, mais tout ça, ça pue le Douchan à 100 bornes. Blume et Noodle qui coopèrent comme ça, c'est une découverte énorme. Et ça fait super peur. Bon allez quoi, Noodle, c'est pas si terrible. Horatio. Salut Horatio. Eh, hey, amusez-vous, mais gardez-moi des bières, ok Ranch? Là, tout de suite, j'ai du code à... coder. Eh, hey, merci mon frère, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. T'inquiète. Mais ça t'embêterait d'y aller là, parce que tu rends les gens nerveux. Mais... Eh, hey, au fait, t'as goûté les pommes grenades? C'est pas trop bon, franchement. Salut. Vous ressemblez à quelqu'un qui dispose d'informations très précieuses. Bon. Dites-moi tout ce que vous savez sur DedSec. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est même très mauvais. Alors, ça veut dire qu'il sait qu'ils sont de retour. Mais ça va poser un énorme problème. Plus 8 points de recherche, super. Termine l'opération nouille molle, tout à fait. Effectivement, nous avons fini l'opération Nouille Molle. Eh bien, c'est parfait, on va pouvoir se retrouver dans le prochain épisode de Watch Dogs 2. Ce sera donc, pardon, l'épisode 19. Salut tout le monde, à la prochaine.